aujourd'hui on se retrouve avec un tuto pour les yeux, le genre de make-up que je me fais souvent quand je pars en soirée. Tout d'abord, je vais prendre la palette Chocolate Bar de Too Faced. Et je vais utiliser le fard Weight Chocolate. Je vais mettre sur toute ma paupière. Pareil pour la seconde, bien sûr. Puis je prends le Shielded Ganache que je mets dans le creux de ma paupière et un peu sur l'extérieur. Bien sûr, après j'estompe. Je remets une petite couche et je vais réestomper. Et je fais la même chose, bien sûr, pour le second œil. Bien sûr, ne pas oublier d'estomper parce que c'est primordial pour avoir quelque chose d'un peu plus fondu en fait. Puis toujours sur ma chocolate bar, je vais prendre le fard à paupières crème brûlée que je vais mettre sur ma paupière mobile dans le centre pour donner un petit coup de lumière. Et je vais prendre le Shielded Ganache pour faire mon ras de cils inférieur et estomper encore et encore. Je vais prendre un crayon noir que j'ai acheté sur Beauté Privée et je vais mettre à la muqueuse inférieure. Et un petit peu en haut aussi dans le coin. Je vais utiliser le Master Graphic de Maybelline pour faire un trait d'eyeliner basique. Sauf que cette fois-ci, pas de chance, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'ai fait un gros trait. Mais normalement, il est beaucoup plus fin. Et je fais bien sûr la même chose pour le second œil. Je prends mon instrument de torture, le recourbe-cils et je vais mettre du mascara. Celui-ci, c'est le Lancôme. Magie du montage, je me retrouve avec mes faux cils. Donc ceux-là, je vous avoue, ils sont énormes, mais je vais en acheter d'autres un peu plus naturels, on va dire. Et c'est fini. Je vous dis à bientôt et vous fais de gros bisous.